Eh ben bon sang, c'est simple, mais tellement efficace. J'adore. Non mais, tu vois, faut pas qu'il y ait des intros des fois trop longues ni rien du tout, pour que moi ça me plaise. Honnêtement, j'ai bien aimé. Honnêtement les gars, j'ai bien aimé. Donc bien sûr, bonjour les petits amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Alors aujourd'hui, bah déjà on va baisser le son, sinon vous n'allez pas m'entendre les petits amis. Donc aujourd'hui, Ace Combat Distant Thunder, aujourd'hui sur PlayStation 2. Alors, Ace Combat. Qu'est-ce qu'on va? J'ai joué au dernier, donc le 7, l'Ace Combat 7, qui est vraiment, ma foi, vraiment pas mal du tout. Très bon jeu, je tiens à dire, vraiment très bon jeu, le dernier Ace Combat. Allez-y, les yeux fermés, c'est un excellent jeu. Alors, il me semble qu'on peut en jouer en VR, il me semble, de ce que j'ai entendu parler. Bon, j'ai pas de casque VR, j'ai pas testé et tout, mais apparemment, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, Ace Combat, à part ça, j'ai joué au tout premier sur PlayStation, j'ai joué à un Opus GBA, je sais plus comment il s'appelle, et c'est tout. Eh oui, c'est tout. Alors que je sais qu'il y a eu beaucoup de Ace Combat, il y a eu beaucoup de séries, un petit peu de hors-série à droite et à gauche. Notamment, je pense que l'épisode GBA, c'était un hors-série, hors de la timeline de Ace Combat et tout. Et donc, aujourd'hui, on va découvrir Distant Thunder, qui était carrément un des épisodes de PS2 qui a eu le plus de renommée, littéralement. Donc, autant dire la chose comme elle est, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup. Et honnêtement, de ce que je vois de niveau gameplay et tout, mais ça a l'air super sympa pour la PS2. Non, franchement. Alors, si ça, c'est du in-game, c'est ultra sympa. Alors oui, bon, tu vois que les décors et tout, là, c'est des JPEG hein, et tout. Tu vois que c'est dissimulé de la sorte et tout. Je peux entièrement comprendre que oui, alors il y a des petits bugs d'émulateur, hein, ça c'est... Bon, on change pas PCSX2, j'ai envie de te dire aussi. D'une certaine manière, mais les décors, même si c'est du JPEG, même si c'est un peu des photos imprimées, un petit peu modélisées par-dessus et tout... Et tout le bordel, franchement, ça a l'air excellent. Non, d'un premier point de vue, ça a l'air excellent. Je n'ai pas touché au jeu, et je suis déjà hype de le tester. Et bah écoutez, petits amis, c'est ce qu'on va faire de suite. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc, press start button, alors. New game, load, tutorial. Alors, tutoriel, je pourrais y aller, mais bon, les gars, j'ai déjà touché à un Ace Combat. Je sais ce que c'est, hein. Sachant que c'est un très bon jeu de base. Faut savoir que rares sont les séries de jeux qui me. Alors, qui n'ont pas de points négatifs. Je veux dire, t'as des séries de jeux où au moins t'as un ou deux jeux, c'est un petit peu le vilain petit canard. Là, les combat, de tout ce que j'ai testé, j'ai jamais eu de déception. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, j'espère que ça va continuer avec ce jeu, tout simplement, c'est sûr. Alors, boot option. Alors, faut savoir que je joue en PAL, donc désolé, hein, pas de 60 FPS pour le coup, les petits amis. Ça va de soi, malheureusement, j'ai envie de te dire. Bon, on peut rien y faire, j'ai envie de te dire aussi. Surtout que j'ai, entre guillemets, je vais bien vous dire entre guillemets, testé la version japonaise, le jeu RAM, les versions japonaises est incompatible avec la PSX2, va savoir pourquoi. Donc, on prend une version PAL, tout simplement, ce qui est plus normal. Donc, ouais, j'étais dans le menu option, mais bon, Control Setup, Screen Setting, Personal Data, bon. Pas trop ce qui m'intéresse, hein, j'ai envie de te dire aussi, donc voilà. Alors on va aller en mode normal, on va aller en mode Shy détente et tout, et j'ai hâte de découvrir ce jeu. Franchement j'ai hâte, parce que un Ace Combat, ça me déçoit jamais. C'est aussi simple que ça les gars. I was just a child when the stars fell from the skies. But I remember how they built a cannon to destroy them. And in turn how that cannon brought war upon us. Surtout que de souvenir, bon, c'est des scénarios très centralisés sur la guerre, vous comprenez, je pense, le délire par rapport à tout ça. Cependant, il me semble que, de ce que j'ai lu pour le 7 notamment, c'est que le scénario est assez solide.
C'est vrai que, premièrement, je m'étais pas intéressé à Escobar pour son scénario, qui mine de rien me paraissait ambigu, parce que bon, je me suis dit, hein, comme j'étais gamin et tout, ouais, c'est un jeu d'avion, c'est un jeu d'action, le scénario, on passe par-dessus. Tu vois, c'est la conscience de gamin quand tu te dis ça. C'est, tu sais, quand tu te dis, ouais, les jeux de combat, ils sont intéressants pour leur combat, franchement, l'histoire, on s'en fout. Ouais, va dire c'est un Blaze Blue, va dire c'est un Guilty Gear, va dire c'est un Tekken. Enfin, Tekken, ça dépend quoi, hein, s'ils font pas n'importe quoi comme le Z, bref. Là, et ce combat, m'en fichais de l'histoire. J'ai ensuite essayé l'épisode GBA, il était pas dégueu. Et encore moins pour le 7. Le 7 a une très bonne histoire, sans déconner. Ça vole pas méga ou non plus, mais c'est pas non plus quelque chose de dégueulasse non plus. On est vraiment sur des bons bails, les gars. L'histoire de ce combat, c'est cool. Donc voilà, bon, je vais pas tout vous spoiler non plus, voilà. Bon, je passe exprès pour pas vous faire spoiler, les gars. Donc, on va partir en mission numéro 1. Et ouais, j'ai hâte de découvrir ce que c'est, parce que là, mon gars, je pense qu'on va partir sur quelque chose de très bien. Il y a eu un aperçu, tu vois, il y avait une démo. Alors j'espère que c'est représentatif du jeu final. Eh hey. Parce que là, mon gars, j'ai adoré. C'est simple que ça. Donc voilà. Le petit briefing avant l'émission. Alors, est-ce qu'on va pouvoir choisir nos munitions avant de... Attends. Oh, what? Alors. Oh, attends. Il est analogique. Ok. Ouh, ça a l'air compliqué ce menu. Hein. Bon. Bon, après, il n'y a qu'une mission que je peux sélectionner pour l'instant, donc ça va, je vais pas me sentir... Ça va, je ne vais pas me sentir perdu, mais bon. Ah, ok, donc on a une boutique, visiblement. Aircraft, weapon. Alors, fais voir un petit peu la sélection. Ouh, ah ouais. Malheureusement, hein, l'émulateur. Ah, c'est dommage. C'est dommage, quoi, les gars. J'aimerais tellement vous proposer des vidéos de qualité sur PSX2, mais si lui-même est réticent, je peux rien faire non plus. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est le but du jeu. Je vais pas forcément passer par là. Hein, par tout ce qui s'organise par acheter des armes et tout. Mais bon, on peut noter l'importance d'une boutique. On peut noter qu'on peut améliorer son vaisseau au fur et à mesure du temps. On peut noter que l'on peut acheter de nouveaux modèles quand il y en aura besoin pour des missions plus difficiles. Et donc, ouais, c'est vraiment cool. Eh, c'est bien foutu, n'empêche, hein. Le décollage pour la PS2. Pas mal du tout, hein, je trouve. Ah, y a un petit charme, je trouve, honnêtement. Ok, alors fais voir le jeu maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Ok, oh, on a plusieurs vues. D'accord. Oh, la vue cockpit, elle est sublime. Bon, je pense que ce serait un petit peu difficile de voir quelque chose avec ça, mais quand même. Ah, j'adore tellement. Oh, la vue extérieure aussi. Elle est géniale. J'adore. Ah, même pour du 50 Hz, hein, c'est quand même fluide. Hein. Faut quand même noter ça. On a l'altitude et tout. D'accord. Alors, on a les îles en bas. Bon, tu sens que c'est des photos qui ont été prises. Bon, faut vraiment se rapprocher pour avoir le clipping, hein, ça c'est sûr. Cependant, moi j'aime bien. Cependant, moi j'apprécie beaucoup pour l'instant. Ok, attends. Autopilote, non? Non, voilà. C'est là où je voulais revenir. Ok, alors. Le bouton select, oui, voilà. C'est comme le 7, du coup. Si tu appuies sur le bouton select, tu peux changer ton équipement. Donc des missiles sol, des missiles air, des missiles T guidés et tout, voilà. J'ai un petit peu tout un certain armement, pour le coup. Ok, alors visiblement, de ce que j'ai lu, on a déjà des ennemis en face. Ok, donc le bouton X, c'est pour tirer à la mitrailleuse. Ce qui ne sert pas beaucoup 80% des cas, hein. On va pas se le cacher. Alors visiblement c'est celui que j'ai en vert, le target. Et non, c'est le bouton rond. Ouais. Ouh, oh, le sound design, les gars. Sublime. Hop. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je pense que en maintenant une gâchette. Je peux tourner, oui, voilà. Ouh, et on tourne bien en plus, hein. C'est cool. Parce que tu peux t'aider de L2 ou R2, tout simplement, pour tourner ton vaisseau. Et tout simplement le repositionner, hein, comme tu as envie. Bon, là, du coup,
On va essayer un petit peu de réussir la mission, hein, c'est un peu le but. Ouais. Normalement, j'ai sélectionné de bons missiles. Je pense qu'on est assez bon. Bah, par contre, l'émulateur là. Pas fou, hein, là, pour le coup. Pas fou l'émulateur. Ah, ils sont loin, les bougres. Et on va essayer de. Bah, hop. Et normalement, on est bon. Oh, le. Oh, mais le sound design, il est génial. Oh, tu sais, quand tu passes à côté du vaisseau, enfin, du vaisseau de l'aircraft et tout. Mais t'as le son que tu sais que tu frôles le cockpit de ton ennemi et tout, c'est génial. Ah non, c'est vraiment cool. Ok, alors où est-ce qu'il est parti? Il est parti là. Ouf. On va essayer de se décaler un petit peu quand même. Hop. On va retourner en bonne position. On va freiner un petit peu. Hop. On va tourner. Ah, c'est fluide, c'est apprécié. Non, ok, bon. L'émulateur, si tu veux. Bon, ça, c'est le soleil, normalement. Ça, c'est le lens flare qui aurait dû. Ouais. Qui aurait dû avoir effet. Ah, du coup, un effet de lens flare pour la PS2. Bon. C'est pas comme si c'était rare, mais. Je souligne la présence. C'est aussi simple que ça, les gars. Alors, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il essaye de me prendre en chasse, hein. Je pense qu'il était derrière moi. Ah, l'IA n'est pas conne. Même pour une première mission, elle est pas bête du tout. Il essaye de me faire une espèce de queue de poisson aérienne. Ok, hop. Voilà. Là, on est quand même mieux. Hop. Alors, je vais essayer de faire ça, ouais. Ah, c'est dommage parce que t'aimerais tellement voir la beauté des décors. Mais bon. Ce serait bien un jour de d'optimiser PCSX2, hein. Je sais pas vous les gars, j'espère. Hein. Parce que franchement, tu ouvres tellement de belles choses. Oh, il a esquivé, non? Ah ouais, effectivement. Par contre, mes autres missiles. Attends, je vais peut-être essayer ceci. Ok, donc c'est pour viser le sol. On est d'accord. Bon, je vais peut-être passer à ceci. Ceux qui sont devant. Peut-être avoir un point de relais plus facile à exécuter. En tout cas, l'ambiance, hein, pas mal, hein. Ah non, franchement, pas mal du tout à l'ambiance. Ok, alors. Allez. On y est presque, les gars. Allez, je vais le target. Là, il essaye. Normalement, il est mort. Miss? Ah zut. Attends, je vais peut-être ralentir un petit peu. Voilà, bien me repositionner. Oh bah, je l'ai détruit. Nickel. Voilà. Et hop, lui, il va être target dans pas longtemps. Voilà. Allez, dis-moi que t'es détruit, s'il te plaît. Alors ouais, je peux essayer. Ah mais non, j'ai réussi. Waouh, c'est tellement rare ça, les gars. Ah, quand je détruis quelqu'un la mitrailleuse dans un jeu de la sorte. Alors là, c'est qu'il y a eu un miracle, hein. Oh, vous verrez pas ça tous les jours, les gars. Oh, c'est énorme. Hop là, et encore une mitrailleuse, bien sûr. Pas bien. Et normalement, il devrait s'écraser, hein. Enfin, je vais pas passer mon temps à regarder en bas si les avions s'écrasent et tout. Mais normalement, ça va du ciel et ça descend jusqu'en bas. C'est peut-être rien pour vous, mais moi je trouve que c'est un gros souci du détail qui est vraiment bien. Ramé. J'ai tellement envie de tester le jeu en VR. Ah, vous avez même pas l'idée, les gars. Ah, je l'ai détruit? D'accord.
Parce que la vue cockpit, la vue du vaisseau, l'impression de vitesse, quand les avions ils passent près de toi et tout, mais t'imagines? Oh là là, l'ambiance sonore. Alors il en reste un, je pense. Je pense qu'il en reste un, les gars. Et c'est tout, hein. Je pense qu'on va le détruire là. Presque. Touché, bien. Mission accomplie. Eh bah oui, évidemment. Mais c'est vrai que regardez, et franchement, les gars. Alors, je sais que c'est une image, je sais que c'est encore une fois un JPEG. Mais bon sang, moi j'aime bien. Ah, moi j'apprécie. Bon, allez, on va détruire les villes des gens, hein, parce que bien entendu, on est très très sympa, nous. Ah, donc, on a un replay total de notre mission. Oh là là. Et toutes les vues de caméra qu'on a. Oh, mais c'est magnifique. Oh, mais j'approuve à 100% ça, totalement. Ouais, normalement, au quoi? On va avoir un ranking. Mais c'est quoi le truc derrière? C'est moi qui volais? Mais non. Et j'ai l'impression que c'est moi, c'est la flèche. J'ai l'impression que le jeu, il a pris tout le monde en compte. Et lors du data replay. Eh, mais c'est moi ça! Oh, mais c'est ouf! Ah, mais ils ont pensé à tout, les gars! Mais c'est impressionnant! Allez, toi, mais c'est trop bien! Ah, mais Gotti! Gotti directement, bon bah. Excusez-moi, je vais vous passer le scénario parce que j'ai pas trop envie de me spoiler non plus. Voilà, on est là pour tester rapidement un jeu, on n'est pas pour passer 10 minutes, hein, forcément, dans le scénario. Donc, on va passer à la prochaine mission. On va voir ce que ça donne. Alors, je pense qu'on va faire 3 missions. Durant cette vidéo, ou 4, si j'ai envie, voilà, tout simplement. Alors, ok, bon, j'ai vu base ennemie, bon, je pense qu'on va prendre les bombes qui larguent, hein, là, tout simplement. Ouais, effectivement, effectivement. Je pense qu'on est clairement sur des bails comme ça, les gars. Ok, bon, start mission, stealth mission, je pense que ça donne. Alors, j'aimerais tellement acheter un vaisseau, mais avec les bugs d'émulateur et tout, je vois rien du tout. Ah, quel dommage, quoi. Quel dommage! Non, parce que le jeu, il a l'air trop bien en fait. Il a l'air beaucoup trop bien. Ça manque des bons jeux comme ça, mais. Enfin, non, non, je rigole. Je rigole en disant ça parce qu'il y a le dernier S-Combat qui est sorti, qui est passé assez inaperçu, malheureusement. Voilà! Bon, j'ai rien par rapport à ça. Mais voilà. Oh, purée. Bon, tu vois. Là, tu vois clairement que c'est une image qui a été fixée. Là, là, tu le vois clairement. Mais. Je sais pas, c'est pas dérangeant, je trouve. Enfin, moi, je trouve pas ça dérangeant du tout. Bon, je vais prendre les missiles sol, parce que visiblement. Visiblement, on va devoir tirer sur quelque chose. Je vais ralentir un petit peu. Youhou! Et ben, les gars. Et ben c'est nickel. Oula, ou par contre, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Oula, oula, oula. Où est-ce que je suis? Au secours! Voilà, ça va. Non, j'ai cru que j'allais m'écraser, mais non. Tout va bien. Tout va bien, les gars. Tout va très très bien. Ah non, mais. Je trouve que. Bon. Imagine, t'as pas les bugs de texture qu'il y a devant. Imagine, t'es sur PS2 là. Ah non, mais moi j'approuve. Hein. J'approuve à 100% ce jeu. C'est aussi simple que ça. Ok, alors. Quoi les. Ah d'accord. Donc ce. Attends, ceux-là ici, ce sont des ennemis. Alors, je dis ça parce que tu vois, ils sont pas en rouge. En fait, en... Ah oui, d'accord, bon, bah, c'est des ennemis. Ok, bon bah, au revoir. Hein. Ok les gars, on sait ce qu'il y a à faire. On va ralentir un petit peu. Ah mais non mais. En plus, je sais pas, il y a. Bon, tu vois toujours qu'il y a la technique du brouillard de guerre hein, dans tout jeu PS2 pour pas avoir des problèmes techniques et tout. Cependant, là, tu vois clairement que t'as une bonne distance d'affichage. Hein. Là, c'est pas dégueu. Hein. C'est franchement pas dégueu du tout. Non, c'est.
Moi, je m'imagine sans le pop-in des textures et tout, et moi, je trouve ça agréable à l'œil, en fait, comme jeu. Réellement. Très, très agréable. Ok, alors. Je sais pas s'il y a plusieurs bases en bas. J'ai totalement l'impression que oui. Donc, oui, écoutez, on va déjà tirer un petit peu au pif avant de changer. Ça a marché. Ah, ça a raté, de peu. Hop! Youhou! Réussi! Bien. Alors, on va appuyer sur El Famoso Gâchette. Youp! Ouh, ça va être juste, hein, tout ça. Ah, quand t'es au ras du sol comme ça, mon gars, tu joues tellement ta vie. Ah bah attends, je peux utiliser ça aussi. Ah oui. Ouh, attention, attention, attention. Ah, c'est tellement plaisant, j'aime bien. Ah, j'adore. Déjà, rien que l'ambiance sonore, elle est tellement bien travaillée, je trouve. Ah, c'est quelque chose à détruire, ça aussi. Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de missiles? Si. Non, parce que... Ça ne tire pas. Je sais pas, tu vois, j'appuie sur rond, ça ne tire pas. Ok, bon. On est reparti. Un petit tour. Je suis pas forcément mis au meilleur des endroits. Je pense qu'on va se crasher. Exactement. Exactement, les gars. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un replay? Là, tu vois, là, je joue toute ma vie. Je me dis, vas-y, je dois faire un kamikaze pour le bien de ma patrie. Et puis voilà. Au revoir. Ah, c'est marrant quand même. J'aime bien. Et t'as différents points de vue et tout pour voir ça un petit peu, c'est cool. Ok, bon, bah écoutez, on va retry, hein. Bien sûr qu'on va retry. Hey, on n'est pas des petits bras, nous. Y a pas de souci. On va prendre l'avance par rapport à tout le monde, hein. Dépêchez-vous les gars, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 88 miles à l'heure? Non, je pense pas. Par contre, on a déjà une base, ouais, la base terrestre ici. Alors, hop. On va quand même... Non. Baisse un petit peu, voilà. Voilà, c'est parfait ça. Donc on change de missile et eux, bah pour le coup comme c'est des ennemis. Ok. Je suis pas trop loin. Normalement ça devrait passer. Nickel. Ouh. Bien joué lui. Ok. Ok, alors est-ce que ça va atteindre? Oui, parfait. Ah, c'est dommage qu'il y ait un peu de texture au niveau du soleil parce que un LED flare, tu vois, ça donnerait tellement une petite atmosphère en plus, tu vois, c'est le petit céleri par rapport à toute la gastronomie. Ah, ça aurait donné le petit goût de céleri dans tout ça. Ah, c'est dommage, les gars. Par contre, où est-ce que je suis? Je suis partout, sauf près de mes alliés. Et ça c'est pas bien. Donc écoute, on va se rattraper. Bon, je pense qu'on n'est pas trop loin. Attends, est-ce qu'on peut... Non. Je veux dire, est-ce qu'il y a une map, quelque chose comme ça? Non. J'ai pas l'impression, hein. Mais bon, on a déjà une mini-map, c'est déjà très très bien. Hein. voilà. C'est pas non plus un gros gros souci. Enfin, les missions au ras du sol, elles sont tellement, tellement risquées à faire et tout. Je touche là, je touche. Oui, je touche. Exactement. Là aussi, je touche. Oui, nickel.
Bon, écoutez, on va faire un petit tour et après on va retourner en arrière. Ah, ça se met très bien avec R2, hein, tu vois. Il suffit de replonger un petit peu ton airplane et tout va pour le mieux. Donc franchement, niveau contrôle, c'est ergonomique, c'est très plaisant à prendre en main, c'est pas lourd du tout. Ce qui est très bien. Oh putain, non. T'es sérieux? Quoi? Attends, je vais revoir le replay. C'est pas possible ça. Attends, je suis passé à 2 cm du sol là. Non mais oh. Non mais c'est quoi cette aile dissidente? Mais t'es sérieux? Attends. Qu'est-ce qui c'est? Quoi? Non mais monsieur l'arbitre, il y a faute. Non mais il y a faute monsieur l'arbitre, mais c'est pas possible ça. T'en fais voir? Ouais, bon, j'ai touché une feuille. J'ai touché le bout de l'arbre dans la forêt là. Non mais les gars. Non mais. Non mais c'est pas possible ça. Non, là je cautionne pas. Bon, on arrêtera une dernière fois. Qu'on réussisse ou pas, ce sera le dernier try pour du coup pour cette vidéo. Hein. Parce que vous connaissez, on s'impose 30 minutes pour au minimum, hein, niveau gameplay et tout. Mais non, mais là j'accepte moins. Je ne suis pas d'accord. Je suis totalement contre cette mort. Déjà ridicule de 1. Et de 2, mais. Je frôle une feuille. Je suis désolé, mon gars. Alors, on repart ici. À force, on va connaître les bâtiments. Hein. Ah, par contre, il n'y avait pas de ligne de tension. Attends. Ça va ou je meurs dans la ligne haute tension, non? Oui, je meurs dans la ligne haute tension. D'accord. Ok. Bon, au moins, c'est normal. Enfin, tu meurs dans la ligne haute tension. C'est normal, oui. Bon, est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on joue là? Ah, ça me fait du bien de tourner une petite vidéo fun là comme ça et tout. En plus, que on passe du bon temps ici, les gars. On passe un bon moment. Non, franchement, là, moi je trouve que ce jeu est très bien, très très bon. Et c'est comme j'ai dit, et ce combat, ça ne me déçoit jamais. Et ce jeu est encore une preuve que vraiment on peut faire de très très bons jeux. Sur support PS2 et sur tout support confondu. Non, ce jeu me plaît beaucoup. Voilà. Autant dire la chose comme elle est, les petits amis. Par contre, ouais, j'ai des missiles sol, mais est-ce que des missiles aériens, ça fonctionne aussi? Bon, c'est contre nature. Je pense pas que l'aérien fonctionne contre le sol. Hein? Mais sait-on jamais? Miss? Ah zut. On va ralentir d'un coup, on va essayer de les réintercepter comme ça. Normalement, ça touche. Normalement. Oh, mais il est tellement proche aussi. Et il a compris mon stratagème, j'ai l'impression. Hein. Ah, ça va pas passer. Si, nickel. Oh, mais c'est qui quoi? Mais comment il l'a autant distancé? Non mais ils étaient proches tous les deux il y a à peine quelques secondes, non? Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu entre temps? What? Oh, le gars il était en YOLO speedrun, hein? Oh la vache. Ok, je vais peut-être commencer à ralentir. Oui, monsieur. Oh non. Oh non, oh ça c'est dégueulasse par contre. Allez, là ça touche au moins. Là ça touche. Merci. Oh là là, what the fuck. Attends, tiens, ce serait marrant. Tiens, à regarder. Tiens, on va faire ça. On va faire ça. Est-ce que ça tombe jusqu'au bout ou est-ce que ça disparaît au bout d'un moment? J'ai pas l'impression de le revoir. Hein. J'ai l'impression qu'il disparaît dans les airs au bout d'un moment. Bon, limitation technique de la PS2, j'imagine. Oblige. Ah, c'est dommage parce que je sais qu'il y a certains jeux... attends, il s'appelle comment? Earth Staker, je pense que c'est un jeu du nom comme ça. Bah, quand tu détruis un avion, c'est aussi simple que ça. Il descend jusqu'en bas. Et il explose au sol. Ça paraît rien pour vous, moi j'appelle ça un énorme souci de détail. Honnêtement.
Ok, donc les missiles air fonctionnaient que le sol. Ok, bon. Va comprendre pourquoi, mais if you want, hein, bien sûr. Ok. Bon, au moins comme ça je sais. Et on y tourne. Hop, avec la gâchette, les gars. Et normalement, mon Némésis, il est là. C'est. Attends. Non. Il est pas là, je pense. Non. Ah non, 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 il est à gauche. Il est à gauche, il est à gauche. Ok. C'est bien parce que. Dans beaucoup de jeux de la sorte, je vais vous dire. La mitrailleuse, elle sert clairement à rien. Elle sert à rien du tout. Tu fais zéro dégâts et il te faut une précision d'orfèvre pour espérer toucher tes ennemis. Là dans ce jeu, bah la mitrailleuse a une utilité. Littéralement une utilité. Et ça fait tellement du bien de voir ça. Ok, alors on va peut-être passer ici parce qu'il y a plus d'ennemis. Ouf! Voilà, allez. Sans le lock. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, mon gars? Allez, on y retourne. Je vais peut-être même ralentir un petit peu, je pense. Ah non, mais c'est plaisant de jouer comme jeu. Tout répond parfaitement. Et c'est tellement ce qu'on attend d'un jeu de la trempe. Alors, je vois que j'ai deux ennemis, peut-être au-dessus de moi, j'ai l'impression. Je sais pas du tout. Ok, alors, ça c'est mort. Ça aussi. Wouhou! Et tu sais, ils auraient fait dans le détail. T'imagines? Ils auraient fait dans le détail et ils t'auraient mis genre un débris qui fonce sur toi, tu sais. Mais genre le débris bien, bien bâtard comme il faut. Et qui détruit ton avion. Attends, fais voir, c'est l'occasion. Ah non, il a explosé en l'air. Zut, dommage. J'ai l'impression que j'ai agité quelque chose de très près. Enfin, de très peu surtout. Par contre, il y en a un, il est vénère contre moi. Il y en a un. Oui, oui, oula. Effectivement. Bah, c'est lui, hein. Salopard, va. Ok. D'ailleurs, je suis assez curieux. On va essayer cette vue-là. Parce que comme j'ai dit au début, ça avait l'air un petit peu compliqué de viser avec cette vue et tout, et d'avoir un plan assez détaillé. Ouais. C'est vrai que quand t'es proche du sol, ça doit être un petit peu tendu, hein. On va quand même pas trop se le cacher, les gars. Alors, missile, attention. Ok, on est reparti. Ok, je t'en visuel. D'ailleurs, la vue cockpit qui est magnifique, je trouve. Franchement. Ok. Bon, heureusement que ça se détruit en un coup. Hein. Heureusement, les gars. Oula. Ah, là, j'ai mal géré. Hop, hop. Quoi, comment ça, je l'ai raté? Mais non. Ça bouge pas. Comment j'ai pu rater un truc qui bouge pas? Non! Quoi? Mais non. Quoi? Mais je suis passé au travers. Mais je suis totalement passé au travers. Mais non. Ok, si tu veux. Si tu veux. Faudra me dire pourquoi j'envoie deux missiles à chaque fois, parce qu'un seul, ça suffit à détruire, quoi. Ok, oula, ouf. Attention, le débris. Ouais, c'est chaud avec cette vue, hein, quand même. Donc, on va mettre ça ici. On va tester cette vue, tiens. Pour l'occasion. Allez, on fait un petit plongeon. Non, je rigole. On va crever, sinon. Ce qui est dommage, c'est que tout bug avec cette vue, ouais. Même les FPS, ils sont en train de dropper. Pas ça. On revient sur une émulation normale. Enfin, plus ou moins. Bon, par contre, quand il t'en reste plus beaucoup, évidemment, ça devient tout de suite un petit peu plus chaud. Là, on va ralentir.
Ah, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi je n'arrive plus à rien faire. J'ai plus de munitions. Ah, comment je fais quand j'ai plus de munitions? Je dois replay? Je dois restart? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai pas mes alliés qui vont me réapprovisionner pour le coup? Ah là là. Ah là par contre. Est-ce que je peux pas genre demander de l'assistance ou quelque chose comme ça? Ah, j'ai pas l'impression hein. Ah, il y a de la gestion et tout, hein. Ok, j'ai mal calculé mon coup. J'ai très mal calculé ma mission. C'est entièrement de ma faute. Pas parce que bon, je passais mon temps à tirer de missiles et tout, donc voilà. Ok, bon, ben vous savez quoi, on va terminer la vidéo dans une magnifique manière, hein, j'ai envie de te dire. On va faire le héros. Voilà. On va faire le héros. Surtout le japonais. Bon, bon, excusez-moi. Ça, c'était peut-être un petit peu trop ce que j'ai dit. Voilà. Mais au moins, on n'a pas fait une autre tâche. On a fait une noble mission, un noble geste hein, pour sauver notre patrie. Voilà. Mais bon, bah, j'aurais peut-être dû, ouais, peut-être dû faire attention à ma gestion de munitions et tout. Voilà. C'est de ma faute. J'ai mal joué. Je l'apprends entièrement. Mais bon, voilà. C'était une découverte. Hein, je pouvais pas savoir éventuellement hein, aussi. Sachant que j'ai que comme expérience le 7 et surtout sur les GBA qui est très différent, évidemment. Hein. Capacité et limite de console oblige. C'est un petit peu logique. Voilà. Bon bah écoutez petits amis, ce sera tout pour cette découverte hein, de Ace Combat Distant Thunder. Très bon jeu, je trouve honnêtement. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Mine de rien, c'était très cool. Sensation très agréable du gameplay, fluide comme pas deux, ça répond au doigt et à l'œil. Surtout au doigt et surtout à l'œil. Autant vous dire la chose comme elle est, mais voilà. Non, je rigole parce que. Non, parce que c'est tellement bien foutu, quoi. C'est tellement bien foutu, et regarde, tu peux interagir comme ça. Oula, ouh. Bon, après, imagine que là, il n'y a pas de souci. Imagine que là, il n'y a pas de souci d'émulateur. Tu aurais franchement un beau décor. Je tiens à te le dire tout de suite. Tu aurais un beau panorama. Ça, il n'y a aucun souci. Et en plus, voilà. Bon, brouillard de guerre, bon, tu vois qu'il est présent. C'est sûr, le fog, hein, comme on dit. C'est vrai que c'est très présent, mais bon, ça ne cache pas que le jeu. Sans dire qu'il fait pousser les prouesses de la PS2, c'est pas un jeu dégueulasse, honnêtement. Hein. Vraiment, c'est très agréable, je trouve. Bonne prise en main, bon gameplay. L'histoire, bon, elle a l'air sympa. Du peu que j'ai vu, elle a l'air très sympa, l'histoire. Franchement, jouez-y. Jouez-y. Bon, je sais pas ça cote sur PS2 aujourd'hui, mais je vais vous dire honnêtement, je serais tenté de prendre le jeu sur ma PS2. Parce que mine de rien, bah, il donne envie ce compte-jeu. Il donne envie. Voilà. Donc très bon jeu Ace Combat, moi honnêtement, j'ai pris mon pied et beaucoup de plaisir, voilà. Bon bah écoutez petits amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était un peu un à bientôt les petits amis, ciao bye bye les gars.